Salut, nous sommes en direct sur YouTube et sur Cubas Pro francophone. Nous sommes avec mon ami Patrice. Salut la communauté, comment vas-tu Patrice ben, je vais bien, tranquille, tranquille. Cool. Donc euh, oui. voilà un petit direct pour euh, vous dire ben, que nous on va très bien. Et vous alors, comment allez-vous Alors sous la vidéo, sous la vidéo de YouTube, je vous ai mis un lien qui s'appelle Google Meet. Si ça vous dit de nous rejoindre pour euh, nous adresser, et pur pour adresser donc à la communauté euh, de cubas pro francophone. Vos vœux, eh bien, c'est avec plaisir. Voilà, tout est dit. Bon, à part ça, comment vas-tu Ben bien, bien tranquille. Ben tu sais, on a fait euh, des réveillons, euh, ré... fait enfin, le Noël tranquille et avec ouais. mon épouse. Et puis le jour de l'an, euh, ben, tranquille aussi, quoi. <laughs> Voilà. On n'est pas sorti, voilà. Et voilà, on est confiné. Donc euh, finalement, il y a une année de merde qui s'est euh, qui, qui, qui achevée, on va dire. Oui. Oh, quelle, quelle merde d'année. Et qu'est-ce qu'on va dire sur la prochaine Mais on ne sait pas encore. En tout cas, elle commence. Ben si, 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 si il faut dire que d'abord il faut se protéger pour le moment parce que ça, ça craint quoi. Il faut pas croire euh, c'est comme ça c'est pas anodin ce qui nous arrive quoi tout à fait et qu'il que il faut voilà quoi et, et il faut faire attention très attention et puis il faut je pense que le vaccin euh, ça va ça va arranger consi considérablement le, la vie quoi on l'espère en tout cas on voudrait vous 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 passer un petit coucou et puis vous dire ben, de une bonne année une bonne et excellente ouais. année 2021 en tout cas qu'elle soit oui. meilleure que celle de 2020 parce que la 2020 a été on au va secours. dire au secours pourri <laughs> ouais. euh, elle n'a pas été si pourri que ça puisque on a on a eu la, la chance d'avoir un Cubase Pro 11 qui est qui est sorti avec euh, ses lots de ces nouveautés si vous voulez on peut en discuter d'ailleurs sur le chat ou, euh, ou tout simplement euh, simplement vous pouvez même nous poser des questions euh, et euh, voilà on sait pas trop qui y a oui 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 ça ça avance un tout petit peu ça avance un tout petit peu C'est-à-dire qu'ils sont en train de digérer, tu comprends, ils sont en train de digérer tout la, ah, tous les repas de les, Noël, euh, les repas du Nouvel An. Les huîtres, le foie gras, <laughs> le caviar, <laughs> hein, les, les, les crevettes, qu'est-ce qu'il y a encore Ah ben, j'en sais le, rien, euh, toute la panoplie euh, de, de. La dinde, voilà, c'est ça. Hein, voilà. Hein, et, et, et le... Oui, oui, oui. Non, non, mais on, 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 on a mangé soft, tranquille. On a mangé soft. Ouais. Donc euh, on va peut-être parler un tout petit peu des nouveautés de Cubase Pro 11. Je sais pas, Patrice, qu'est-ce que tu en penses de ce Cubase Pro 11 oh ben c'est très bien. Ouais, ça t'a ah, apporté quelque ah, chose au ah, niveau des. Ah oui, oui 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 oui. Quand tu commences à, à rentrer dans l'art euh, euh, déjà dans le dans le ils ont changé tu sais le le, le, le multi euh, les compressions sur les fréquences. Ah oui, c'est pas mal ça. Hmm. C'est très 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 bien. Donc, ça, après, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant ben, Ce qui est intéressant, c'est le sampler. D'accord. La nouvelle version du sampler, la, la, ah, oui, la, oui, 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 oui. la version numéro 2. C'est ouais, vrai que je m'en sers pas beaucoup. Toi, tu t'en sers plus que moi. Ah oui oui parce que tu peux vraiment vraiment aller aller bidouiller parce qu'on est des bidou bidouilleurs de son tu le sais très oui, bien. Oui, ben oui, oui tout à fait. Voilà, on bidouille le son et, et c'est vrai que tu en plus tu, tu peux le jouer au clavier, tu dire tu, tu tu vois. C'est quand même tu sais les samples les samples ça va devenir de plus en plus je pense mis à part les waves qu'on enregistre en temps normal mais les samples vont amener à, à la musique. Alors c'est vrai de la musique électro, ça marche très bien en électro. Tu vois ouais, c'est vrai. Dance électro, mais aussi si tu fais un peu du, du New Age, ça peut être très très intéressant avec des boucles derrière, des trucs trafiqués, avec les tu sais, le, le, le cut-off, tu, tu vas chercher les cut-offs, les résonances, tout ça. Tu peux vraiment travailler du son. Là, là, à ce moment-là, on dit, on fait vraiment du son, quoi. Tu vois. C'est ça. Oui. C'est. On prend pas une boucle et puis on s'en sert purement et simplement. Là, là, on la met non. dans le sampler et on peut, se peut servir rien qu'une partie et puis, puis la travailler. Voilà. D'autant que ça fait pas très longtemps qu'on qu l'a. Le, le, le 11. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait tout le tour de tout ça ouais. parce que j'en je, je, ai pas eu vraiment l'occasion pour le moment. Mmh. Mais j'ai survolé effectivement. Euh, parce que c'est vrai que j'avais du boulot euh, ben oui. de, 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 de composition, d'arrangement, tout ça à faire. Donc euh, j'ai testé au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça prend du temps de, pour, pour aller vraiment en profondeur, quoi, aller tester les trucs, comment on peut les... On peut un peu bidouiller un son, lui casser la gueule, quoi, tu vois, pour faire un truc particulier. Parce qu'il faut savoir qu'en musique, quand on fait de la musique, c'est l'originalité qui compte. Ce n'est pas l'arrangement grandiose, machin, tu vois. C'est vraiment aller, aller chercher l'originalité. dans une comp euh, Oui. Puis aujourd'hui, le son fait partie, euh, fait, fait partie de, 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 de la compo, quoi. Tu peux faire une super compo avec un piano un son de merde. <coughs> Pardon. Ouais, des fois ça marche. Oui. Je te l'accorde. Mais bon, nous, c'est est vrai que nous on est des puristes du son. On aime ça et euh, Frank Elwina, il aime ça aussi. Euh, voilà, il y a plein de gens qui aiment vraiment le son pour le son, quoi. Tu vois. Ouais, c'est-à-dire, oui, innover. Et oui. Et pas et simplement oui. se servir de, de ce qu'on nous propose, quoi. Voilà, c'est un peu. Ce ben, que tu... Tu... Que je peux en dire. parler en connaissance de cause. C'est à Condorcet, quand j'y étais dans les années 80. Euh, très souvent, je faisais des, des re de percus. J'allais je, 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 dans une espèce de, de, de réduit. J'ai fait, fait un re de radiateur. Ah oui, ça, tu nous en avais déjà dit. Euh... Hein, tu euh, vois, oui, euh, tu et... nous avais déjà expliqué un petit peu, euh, ou même posé des cymbales par terre, qui euh... voilà, ah, c'est ouais. ça. De toute façon, il faut se dire une chose, et ça c'est une règle d'or, je pense, c'est qu'un studio, c'est un laboratoire de recherche au niveau du son. Tout est permis euh, dans la mesure, dans la mesure évidemment où ça, où ça, 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 ça correspond à l'ambiance du morceau. Hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Bien si sûr. ça, il faut vraiment, voilà. Il ne faut pas hésiter à, à, à chercher des sons, à faire du son, à taper sur un uh, sur uh, Pierre Roccola par exemple. Les grosses caisses, il les faisait avec un gros HP d'un 46 et une maillot. et taper sur la membrane. Je te jure, ça faisait des grosses caisses de malade. Par exemple. Oui, oui, oui. C'est un des exemples de 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 Parmi. Parmi plein, quoi. À l'époque, il n'y avait pas les samplers. À l'époque. Tout à fait. Oh, les hein, samplers les... sont arrivés quoi dans les années quoi, que 80 euh, Un peu plus. Moi, je, mon, le, le S900 que j'ai acheté à l'époque à Paris, le S, S900, donc à Caille, je, je l'avais payé. Alors, j'avais payé ça. Attends, tiens-toi bien. Une fortune hein Une fortune. Ben, tu rigoles. En plus, en plus, on était taxé à 33% parce qu'ils estimaient que c'était euh, euh, du luxe. D'accord. À, à une époque, à, à Paris, euh, oui, quand j'achetais mon, mon sampler, je l'avais payé 28 000 balles. De fou. Euh, C'est-à-dire, à, deux, deux, enfin, à l'époque, en francs, hein, 28 000 francs, c'était énorme. Hein. Euh, et, et parce qu'ils avaient balancé 30% de, de TVA 33% de TVA. Des années 80, il y avait des, des claviers samplers. Mais vraiment la fin des années 80, dans un, dans un studio, j'avais enregistré, j'avais eu ça, j'étais halluciné. Fin années 80, ouais. oui. Moi, je l'ai acheté, mon sampler, je crois que c'était en 84, un truc comme ça, 85. 84, 85. C'était un des premiers samplers hein, à qui sortait, le S900. Ah, on a donc euh, Studio. Euh... ADE Média, bonjour, tous mes vœux. on te remercie. Eh bien, idem, idem voilà. pour toi. Ouais, euh, il est méchant, il veut casser la gueule du son. <laughs> oui, ben, <laughs> c'est un, un peu le but. Si tu casses la gueule du son, ça veut dire que ben, voilà, tu es original, on va dire. <laughs> voilà. Après, c'est vrai que bon, la production musicale est comme elle est, et on demande plus, encore plus d'originalité, parce qu'on parce que est dans un monde où il y a beaucoup de production, et plus on est original, plus on, plus on sort oh. de... de c'est pour, pour ça qu'il faut être vraiment original parce que es, c est, c est, moi je, si tu te noies dans la masse c'est mort tu tu, tu tu il faut être plus qu'original quoi tu vois pour sortir du pour émerger si tu veux, de toute cette quantité de de production euh, euh, amateur pas amateur peu importe ouais, ouais, mais c'est euh, quand même des productions hein. voilà voilà je vous rappelle que vous pouvez venir souhaiter donc les vœux directement avec, sur Google Meet donc il suffit de participer à la réunion avec le lien qui se trouve sous la vidéo donc du direct ça sera avec plaisir on vous passe en direct et puis on peut discuter donc ensemble de Cubase Pro 11 c'est le premier jour de l'année donc profitons-en soyons fous Hein, Patrice, soyons fous. Ah, fait, donc euh, tu, tu, tu me disais donc la, la, la version 2 du sampler, toi t as, t as, t as marqué, on va te dire, je veux dire ça a été quelque chose qui, qui va être pour toi très avantageux au niveau de la compo. Qu'est-ce que tu as trouvé en dehors de, de, de ça sur euh, la nouvelle version de, du Pro 11? Euh, bon, tous, tous les updates qui ont été faits. Hein, euh... Mais je t'avoue que je n'ai pas eu le temps d'aller tout voir parce que il y, y en a un kilo quoi, tu vois. Comme oui. j'ai fait pas mal de. Comme j'ai fait beaucoup d'arrangements, si tu ouais, vois, je ça. Pas, <coughs> Comme je disais tout à l'heure, je ne me suis pas vraiment penché. Je ne suis pas rentré dedans, quoi, à 100%. Moi, quoi. ce qui m'a ce marqué, c'est l'imageur c'est ce nouvel effet qui te permet de travailler sur les fréquences et de placer donc un instrument ah, oui, ou un groupe d'instruments. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Ça, au niveau des fréquences et au niveau de la, de la 3D, moi, je trouve ça vachement intéressant. Par exemple, pour les strings, j'ai essayé, c'est vraiment bluffant. Si vraiment tu veux. faire attention à la phase, Rémi. Hein. Oui, voilà, il y a toujours Parce des problèmes. Parce que, points que tu, de... tu, tu pars vite faire un couille à la phase. Un... Il faut, faut faire attention aux phases. Et justement, ah, oui. d'ailleurs, en parlant de phase. Euh, le, les, les nouveaux vumètres que, que, que Cubas Provence nous ont mis à, la, à notre disposition, il y a justement un corrélateur de phrases qui nous permet de voir ce qui cloche un peu. C'est oui, euh, très important les phases. Hein. Et, oui, 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 et, a... et, et j'ai remarqué une chose c'est qu'il faut faire très attention à ne pas écarter complètement le son. C'est droite-gauche à fond dans les pannes très souvent les, les strings il faut les, les tout ce qui est déjà écarté il faut déjà si, si on ne veut pas avoir des problèmes de phase il faut les ramener tu vois pas, pas à, à 25 et moins, moins 25 et 25 mais tu les mets à moins 20 déjà tu, on, on, on évite pas mal de problèmes de phase parce que le son si tu veux il est déjà il y a déjà des phases dans le son dans le son ouais. tu vois les, entre autres le punch-up, tu vois si tu fais pas gaffe tu es, es, es vite à l'envers là hein. Même des sons Donc de... ça, c'est un principe, quoi, effectivement. Même des sons de piano qui sont très travaillés. Moi, j'utilise beaucoup Escape. Et euh, j'avoue que des fois, je vois beaucoup de problèmes de phase, rien que quand je joue le seul le ouais. bon piano. Donc euh, ça peut fausser un petit peu aussi. Euh... Ça, ouais. fait un petit... Ça, ça, ça peut fausser la donne, quoi. Déjà, quand il y a des problèmes de ouais. phase dans l'instrument, et là, malheureusement, l'instrument, il a été fait comme il a été fait. Hein. Mais ça, c'est notre... C'est notre point noir, hein, les phases. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est un piège. C'est un piège, on se fait vite C'est un avoir. piège qui peut nous pourrir le mix, mais de, de, de A à Z. C'est vrai. Et on va chercher. Donc, moi, il y a ça qui m'a bluffé. Euh, il y a une deuxième chose, c'est le, le le, la version du Frequency, la, la version 2. C'est celle-là que je parle. Voilà. Ah, oui. d'accord. Où il y a donc une dynamique qui a été rajoutée, un petit peu comme le Fat Filter, le procu 3 Sauf que moi je préfère quand même le Pro Q3 à l'usage, mais euh, à... ben, oui. je trouve beaucoup plus intuitif et beaucoup plus réactif parce que là il faut rentrer dans les paramètres. Il, a... il y a deux clics à faire avant de, 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 de faire quoi que ce soit. Alors que quand, dans le FabFilter, tu touches ta fréquence, as... Euh, tu, tu touches ta dynamique et puis ça y est, tu, tu, tu l'as déjà. Sur le fréqu... Ça fait exactement la même chose, on est d'accord. Hein. Euh mais je trouve un petit peu de toute ah, façon ce Frequency ouais. 2 il est bien hein mais je trouve qu'il est un petit peu un petit peu moins intuitif euh, que, que d'autres Voilà. notre ami demande c'est quoi que vous avez un problème de phase sans déphasage et... bah, disons tu peux avoir un problème de phase sur euh, entre un kick et une basse euh, c'est pour ça d'ailleurs que dans la version 10.5 euh, Steinberg ont rajouté dans Cubase euh, la possibilité de regarder deux fréquences d'instruments dans la configuration du studio au niveau de l'EQ. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça peut, on peut vite voir au niveau visuel si on est faux au niveau du, de, de certaines fréquences, s'il y a, y a des, des fréquences qui se chevauchent. Ça, par contre, c'est bien aussi. Ça, c'est très, très bien. Mais, mais après, ça, c'est histoire de, 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 de... Pas de mix, enfin, de mix oui, mais de, de priorité. Sur un titre, tu, tu vas dire c'est la basse qui, qui, qui prédomine et la grosse caisse elle vient juste en soutien derrière. tu à dire que tu la mets dans la basse, mais c'est la basse qui, pour toi, fait par rapport à ton arrangement, c'est elle qui prédomine. Et des fois c'est l'inverse. C'est la grosse caisse qui, qui est là et, et la basse. C'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle des, 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 oui, des Donc, oppositions de phase. Les ça peut faire des oppositions de phase. De phase. Voilà. Et là, et là c'est la mort, quoi. Voilà, donc c'est un peu. J'espère qu'on a répondu à ta question. Euh, Alors, et puis c'est très important, ça parce que ça peut te bouffer euh, certaines fréquences qui, voilà, ton kick est, ne ressort pas. Tu sais même pas pourquoi. Et finalement, tu t'aperçois après que c'est ta basse qui euh, qui fout la merde, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc après, à jouer sur les compressions, à jouer sur les fréquences. Euh... Et surtout les fréquences, c'est. Ouais. Euh... De toute façon, en règle générale vaut mieux enlever des fréquences qu'en rajouter toujours toujours hein. Il, bon, il arrive d'en rajouter quand même hein. si tu veux si tu veux faire Pour ressortir un petit peu de brillance tu vas sur oui tu instruments. Vas sur tu les... vas Mettons, tu sur... <coughs> une cloche par exemple tu vas pointer ou une clave tu vas pointer la fréquence de la clave la, la, de l'harmonique ce qu'on ah, appelle oui, l'harmonique tu vas la, po la pointer en, en pointant tu sais vraiment pointu pointu hein. Pas, pas une bande large, mais une bande plus, plus pointue, et tu, et, et tu vas monter de 1, 2 dB, c'est tout. Mais il, faut, et, et, oh oui, il y a un phénomène qui est important, c'est que si on, si on veut monter de fréquence sur un son, mettons à, 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 à 5 kg, tu enlèves la même fréquence à 500. Ça s'appelle une compensation de fréquence. Voilà, exactement. Le fait d'enlever à 500, ça fait remonter la, les, le 5000. C'est ce qu'on appelle du psychoacoustique. C'est ça. Vous voilà. descendez et vous remontez la fréquence qui est juste à côté. Ou à droite ou à gauche, ça dépend. Enfin bon, après, ça dépend de l'instrument. Voilà, voilà. Ça, ça c'est oui, ce qu'on appelle ça un truc. Ben euh, oui, c'est du, du psychoacoustique. Tout à fait. Et donc, euh, donc, autre nouveauté de Cubase Pro 11. Attends, il nous demande c'est quoi le recouvrement de fréquence et non, c'est pour le recouvrement de fréquences. Ah, pardon, oui, oui, je ne vois pas bien là. Euh, L'avisation des fréquences dans, dans, oui, et dans les Q, dans les oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Bah oui c'est tout à fait ça. Hein. Mm. Après, il y a d'autres méthodes, évidemment, pour pas que les fréquences se chevauchent et se bouffent. Il euh, y a d'autres méthodes au niveau du mix. Il hein. n'y a, euh, a pas que toucher une fréquence. Hein. Alors moi, moi j'ai fait un test là sur, euh, sur le morceau que tu m'as envoyé qu'on est en train de retravailler mmh. euh, là, sur la basse et la grosse caisse. J'ai fait l'expérience de, de mettre de booster les mêmes fréquences. Eh bien c'est pas mal. Et tu t'es pas trouvé avec euh, une opposition de phase, enfin ou avec du tout. Avec un... non Du tout, du, du tout. tout, du tout. Du tout parce que la, 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 la grosse caisse, je l'ai pointée, elle est elle est assez pointue. Mais volontairement, j'ai fait un test. J'ai juste testé comme ça. D'ailleurs, je, je, je t'enverrai le ce que j'ai fait là. Euh, et ben, c'est pas mal du tout. Hein. Eh oui. Tu sais, des fois, il faut pas croire que il y a une règle établie. Il n'y a aucune on règle. On fait comme si, on fait comme ça. Des fois, euh, des fois, ben tu, ça, ça marche en faisant le contraire de ce qui tout ce qui est dans les règles, si tu veux. Tout à fait. Alors après, ça c'est le hasard, c'est. Euh, voilà. Bon, il y en a quand même pas. des règles, on va dire. Il hein <laughs> y en a quand même des règles. Ah oui, ah oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, il faut faire attention, je te dis, euh, aux, ar aux artefacts. Euh, les artefacts, ça, ça peut, ça peut te, te voiler un mix. Hein. Euh, travailler les fréquences, euh, chaque fréquence. Je... Moi je coupe beaucoup hein, maintenant hein, je, dans les mix, vraiment tout ce qui est inutile du, dans le son, je le vire. Hein. Et alors il y en a qui sont partisans pour euh, beaucoup, excessivement mettre beaucoup de plugs sur chaque track. Après, bon, moi j'en je, moi, élimine plus qu'autre plus qu chose. Donc, ah, mais moi euh, j'en mets de moins en moins. Moi aussi, j'en mets de moins en moins et euh, je travaille beaucoup plus mes fréquences, comme tu disais d'ailleurs. Oui. Et je, déjà dans l'instrument, alors si on travaille avec des instruments virtuels, déjà travailler ces instruments au niveau de chaque VSTI, ça c'est va, ça. Ça vachement important parce que euh, les sons euh, ne sont pas parfaits, même avec des banques qui sont très très chères. Je travaille beaucoup avec EastWest euh, ou avec Omnisphere. Omnisphere, on ne le présente plus, hein, c'est un super... Euh, c'est une super ce sont des super banques de sons super synthé le problème c'est que ça bave dans les aigus c'est vraiment excessif dans les aigus et, et c'est bah, un grave. toc au niveau gain quoi je j'arrive pas à comprendre euh, qu'ils aient fait euh... et après au niveau qualité waouh c'est voilà mais si on ne si on travaille pas à l'intérieur du soft évidemment qu'on va rajouter automatiquement des plugs qui vont euh, bah, voilà, euh, qui vont qui vont bouffer un petit peu de, 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 de la capacité au niveau de CPU, etc. C'est dommage. Alors que si on retravaille ses, ses, son, 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 le son de, de chaque instrument dans le... le... Enfin, ça, évidemment, c'est valable que pour, euh, que pour les instruments virtuels. Mais, mais à la mais... prise, à la prise aussi. Bah, bah, très je... On en revient toujours à la même chose parce que euh, vous savez très bien qu'avec Patrice, on est formateur, On est, on est formateur à Stenberg, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et on insiste toujours sur le fait que les prises de son doivent être... Super travaillé. Moins ah oui. vous avez de problèmes euh, à l'entrée, c'est-à-dire à la prise, et plus et moins vous aurez de problèmes. Donc pendant votre mix, à faire des corrections inutiles. Oui, tout ça, il ne faut pas se dire euh, oui, mais c'est pas grave, je vais voir ça au mix. Ah mais c'est souvent le. C'est une grosse erreur. C'est ça. Et souvent, euh, j'ai euh, j'ai ce problème. Bon, on verra après. Tu vois. Ouais. Non, non 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 on travaille d'abord son instrument que ça soit acoustique virtuel ou pas et puis voilà euh, désolé pour les fautes non c'est pas grave on t'en veut pas ADE euh, Média pas de souci ouais. il nous raconte sa vie <laughs> motivé il veut écrire rapidement pour être synchro avec vous mais je n'y arrive pas je saute des mots c'est pas grave on t'en veut pas écoute c'est le premier de l'an donc euh, on, on, on excuse tout le monde tu sais tu même hier Macron il y avait je sais pas si tu l'as vu il y a une script qui tape les mots elle se plante elle revient en arrière en fait elle est tout le temps décalée quoi c'est pour les malentendants ils font un dactylo qui tape derrière et elle se plante ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas studio AEMD là ADE Media Media voilà studio média voilà voilà. Et, 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 et il est où, ce, ton studio euh... Eh bien, écoute, euh, aucune idée. Média. Écoute, si tu veux, euh, studio ADE Media, nous rejoindre sur euh, Google Meet, euh, on y va. Hein, on, te, on te propose de, de chatter avec nous en direct. Il euh, n'y a aucun souci. Parce que là, c est, c est, ils sont tous timides. Hein, pour... quand, quand tu leur ouais. demandes de, de venir en direct, ils sont, très, sont tous très timides. Bon, enfin voilà, donc Ubass Pro 11, les avis sont très, très mitigés, euh, quand même, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai fait un tuto, évidemment, que vous pouvez voir sur la mmh. chaîne YouTube, où j'ai regardé un petit peu, où j'ai fait un, un rapide, euh, disons, euh, coup d'œil sur les nouveautés. Alors, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, dont, dont je ne vais pas du tout me, me servir, c'est l'assistant euh, euh, pour euh, corriger les, les, les fautes d'harmonie. De, de, euh, le, le scale, je ne sais pas quoi, je me rappelle même plus parce que je l'ai présenté, je l'ai travaillé, je l'ai vu visu... C'est original, mais euh, c'est pas je pense pas qu'on va s'en servir parce que c'est fait surtout pour les pour les, euh, les, les compositeurs ou ceux qui utilisent Cubase qui n'ont pas trop de, de connaissances en harmonie. Donc, euh, si tu joues un mode mineur alors que c'est un mode majeur, ça va te euh, programmer, ça va te, ça va te jouer vraiment que du majeur. Donc, euh, Et on peut le, le, le faire, évidemment, que par des portions d'événements. Euh, euh, je trouve ça, c'est un peu gadget. Mais ça va être, je pense, utile pour, euh, pour pas mal de, de personnes, mais pas pour nous. Tu ne l'as même pas utilisé, je crois, ça. Non, pas encore. Et je ne pense pas que ça va t'intéresser. Après, euh, le, moi, le, le nouveau visualiseur est très intéressant. D'ailleurs, j'ai ah. euh, enlevé pratiquement tous oui. les autres visualiseurs. J'ai mis le supervision à la place, je ne sais pas ce que tu en penses. Et en, en plus, paramétrable, c'est vachement bien. Euh, non, nous, non, tu nous peux nous raconter laisse, ta vie, il hein, n'y a nous pas nous de problème. Il hein. nous, nous laisse le studio, là. <rire> <rire> Média. Mais écoute, au revoir, hein, au plaisir, puis euh, pas de soucis, quoi. Donc, ouais, euh, Jean-Claude, Jean bonjour Jean-Claude, bonjour et meilleurs voeux au groupe. Eh bien, c'est sympa. Voilà, euh, on s'est levé le cul avec Patrice et pas qu'avec euh, Patrice, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi André Falco qui est avec nous et qui est modérateur donc, euh, de Cubas Pro francophone. Disons que euh, ça, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps, mais on rencontre des gens super sympas et je trouve que, voilà. Donc, euh, on voudrait tous vous remercier euh, et puis vous souhaitez à tous donc une excellente année 2021 ouais. et euh, en espérant que vous allez faire plein de prods. Euh, voilà. Comme, euh, enfin, on l'espère en tout cas pas enfin, comment oui, ça se oui, passe oui, mais on oui, va oui, faire oui. plus de prod que de concerts hein. je sais pas si comment ça, ça débute cette année 2021 on a dit youpi 2020 c'est terminé 2021 commence je sais pas qu'est-ce qu'on va faire en concert mais on, je pense qu'on va plus travailler confiné en studio qu'est-ce que tu en penses toi euh... j'aimerais que ça s'arrête toutes ces conneries là <laughs> Non mais c'est vrai, c est, c est, ça, ça fait, ça fait ça, presque en mars, ça fera un an. Hein, ouais. est, euh, est dans cette merde. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, non, à part là, ça... tu... Mais oui, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, c'est bien aussi de voir les gens. Euh... Mais pour en revenir au son, tout à l'heure, là, tu parlais du son, Rémi. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des studios. Le studio Condorcet, entre autres, à Toulouse, studio mythique dans les années 70-80. Euh, et après, bon, les studios parisiens, comme tu le sais. Hein, euh, là, on faisait du son, c'est-à-dire que le check batterie, le, le sound check, on faisait du son, quoi. Je, je, grosse Caisse, c'était un quart d'heure. La Caisse Claire, c'était un quart d'heure. Les tomes, autant. Ils bougeaient les micros, ils mettaient un scotch. Les, les pianos, pareil, ils il bougeaient les micros, François. François D'ailleurs, je le nomme François Porterie Donc ça veut dire grand, que tu... grand ingénieur de, du son, quoi. On fait pas assez de son, quoi. On fait quoi alors Eh ben, il faut tester, tu vois, les micros. Des fois, des fois, tu peux mettre un micro comme ça et comme ça, tu vois. Ça, ça marche bien. Oui, Donc, oui, deux oui. micros comme ça. Mmh, Je crois qu'il faut, faut tester. Euh, sur une guitare acoustique, tu, mets, euh, tu peux mettre un micro au, au niveau de ton oreille, au-dessus, et un micro sur, le, sur le, le, le bas du manche, pas dans la rosace, tu vois, par exemple. Tu peux on, peut, on, peut, on peut faire des, 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 des sons comme ça, c'est important. Il faut chercher le son. Le, de toute façon il faut euh, si tu prends une guitare acoustique l'ingénieur qui va prendre le son il va venir écouter ta guitare il va faire te faire jouer le morceau et il va il va il va être là il va chercher ah là c'est pas mal voyons ici ah ça c'est mieux donc il va placer le micro à son oreille où lui il a entendu le, où ça lui plaît si tu veux oui mais là tu as deux catégories de, de personnes tu as le musicien tu as son donc ah mais déjà, sp... il faut... Ouais, déjà voilà, Nicolas, on, faut... est, on est tous évidemment euh, 90%, je, je pense, dans Cubas Pro-Francophone, nous sommes tous à la fois ces deux personnes. Donc c'est là où ça devient compliqué parfois, euh, et qu'on laisse beaucoup euh, un peu trop aller, enfin un peu trop... Euh, on fait pas trop, atten trop attention à la prise de son, et c'est dommage, parce que là, vraiment, c'est là où ça se passe. Quoi. Si j'avais fait un stage de son ou Dans les années boudu il y a peut-être plus de trente ans d'années. Et, et c'est Patrick Jonot qui a fait quand même Pink Floyd, qui a fait Joe Cooker, qui a travaillé à Londres, qui a travaillé en Allemagne, aux États-Unis. Un super ingé -son aussi et J'ai fait une formation avec ce, cette, cette, ce, cet ingé son. Ouais. Et il disait la matière. C'est ça. Il faut de la matière. Quand vous prenez le son, c'est de la matière. C'est tout. Voilà, euh, la matière. Donc euh... plus, il a, plus il y a de matière dans le son, c'est-à-dire euh, le son. Hein, le, voilà. Vous avez compris, il faut de voilà. la matière. Voilà, <laughs> et, 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 et moins tu as de problème. Et, et mieux tu le travailles, le son. Si tu n'as pas de matière, tu ne peux pas rajouter de la matière. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Donc, on, a, on en était dans les nouveautés de Cubase Pro 11. Moi, il y, a, il y a quelque chose qui m'a fait fortement plaisir et qui a été très utile pour ceux d'ailleurs qui font de la post-prod. C'est tout ce qui est export audio. Export audio, alors là, c'est vachement bien parce que si euh, vous deviez par exemple faire des exports, euh, j'en sais rien, un MP3 euh, en Wave, euh, euh, en wave de différentes catégories, 16 bits, 24 bits, 32 bits, etc. Bref, parce qu'il y a des exigences au niveau vidéo, par exemple, pour ceux qui, sont, qui, qui, qui font du jeu, euh, il fallait à chaque fois se retaper le morceau, le machin, les réglages. Là, vous faites tout un réglage en même temps, tout un paramétrage en plus, en plus qui peut s'enregistrer, et vous faites tout d'un coup, vous pouvez aller boire un café, et après, à la fin, quand vous revenez, tout est fait. Ça, je trouve ça... Très bon. Il D'ailleurs, ils ont rajouté toutes ces nouveautés à Nuendo. Ouais, Et notre ouais. ami Cochise, qui nous écoute, peut-être qui nous écoute de Nashville, euh, il est lui qui travaille beaucoup donc, avec, euh, avec tout ce qui est télé. Il doit faire des exports un peu de partout. Il, il m'a ouais. dit j'attends que ça. Non, non, euh, non c'est bien. Oui. Puis en plus, tu peux, mettre, tu peux faire, même au niveau du. Euh, euh, au lieu de sortir euh, euh, une piste stéréo, tu fais des stems. Ah, tout à fait, oui, oui bien sûr. Hein, oui, oui, tu peux faire des ba... thèmes en plus. Basse-batterie, guitare à part. Ah oui, oui, euh... oui. oui, oui. <coughs> tu fais absolument ce que tu veux et tu, et tu l'envoies une, une bonne fois pour tout. Tu dis exporter et tu as une. Voilà, as en bas, là, pour ceux qui n'ont pas Cubase Pro 11, juste en bas de, de l'export, il euh, y a tout ce que vous avez euh, demandé à, à l'export de faire hein, dans toutes les fréquences d'échantillonnage, tous les. Les tracks sélectionnés etc. Et après, une bonne fois pour toutes, quand vous exportez, tout se fait en même temps. Je trouve ça franchement très bien. J'avais entendu une anecdote d'un un producteur américain de New York qui faisait de... Alors, du RB, on va dire ça comme ça, tu vois. Euh, il, 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 il sortait des Stems il est, il est allé au mastering, il masterisait tous les stems, il les ressortait séparément. Il remasterisait Donc, derrière. Il revenait, il remixait et il refaisait un master Alors, global. Ça, ça se fait beaucoup dans ces styles-là, <coughs> dans tout ce qui est musique électronique, musique dance, musique. musique ça se fait beaucoup. Tu t'imagines le truc après on se dit waouh il wow, y a le son. D'ailleurs, dans ces styles là, quand vous allez dans les fichiers que propose Cubase, dans les sons, dans les, dans les samples, dans les loops, il y a beaucoup de sons. D'ailleurs, vous voyez déjà le, le il y a un paquet au niveau du wave, il, il est bien tassé, c'est masterisé. Donc euh, ce qui prouve que dans ces styles de musique, je sais pas ce que vous en pensez, nous on fait pas trop de dance avec Patrick, on, on fait pas trop. Oh euh, si, moi aussi, moi j'aime bien, moi j'en fais tant. Hein. Moi j'aime bien aussi, mais on n'en fait pas trop oui. on a pas, parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire. Voilà. Euh, C'est vrai que ça se fait beaucoup de, de, de masteriser, de travailler avec... Enfin, il y a plusieurs techniques. Oui. C'est très spécial, hein, tout ce qui est dance, house, électro, électro, électro etc. Mais aujourd'hui, je pense que la musique a beaucoup de, beaucoup de bidouilles. Ah, ben je crois que tu vas... Tu es en direct. Ouais. <laughs> ouais, ma, ma femme va répondre. Ah. Voilà. Et euh, donc tu disais oui, il y a dans le dans le. Mais à la musique aujourd'hui, c'était pour ça tout à l'heure le sampleur, pour en revenir sur le sampler. Euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup de les jeunes fait enfin, les jeunes parce qu'on est, on est moins jeunes. Ah bon euh, travaille travaille beaucoup avec les samples. Hein. Ben il oui. euh, et, et travaille beaucoup 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 avec les samples. Donc c'est euh... le sample track version 2. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, je ne l'utilise pas assez. C'est peut-être... Ah. Euh, voilà. Après, il euh, y a une autre nouveauté, c'est l'intégration du Spectra Layer en version euh, très allégée. Alors, pour l'avoir testé euh, dans tous les sens, qu'est-ce qu'on oui. va. va Est-ce qu'on va en avoir l'utilité Alors. Je ne sais pas, parce que c'est destiné surtout à ceux qui, qui veulent vraiment nettoyer euh, euh, leur, euh, certaines, certains waves. On leur file peut-être avec des anomalies, peut-être des vieux waves. Et là, à ce moment-là, le... mais par contre, là, il faut avoir la version complète du layer parce que la, la version One est inclue dans Cubase Pro un peu légère alors on s'est amusé je pense, je pense que tu l'as fait on l'a fait aussi quand quand on a reçu Cubase Pro 11 de séparer les voix euh, donc d'un ouais, ça ça crée ça pas crée d'espèces hein. de de phasing enfin il y a une espèce de truc bizarre ouais. alors par contre moi ce qui m'étonne c'est que dans la version dans le dans la vidéo de Steinberg de, de, de démo euh, la... c est, c est, il... le gars le fait en en direct et vraiment, c'est bien séparé. Quoi. Quand tu écoutes la voix, il n'y a pas... Alors euh... bon, moi, j'ai essayé sur des whites des du commerce, euh, sur des titres masterisés, sur des titres qui ne sont pas masterisés. J'ai toujours le même problème avec des... des... C'est pas propre. Ça, ça, ça crée des artefacts. C'est ça. Mais je... Alors, si je peux me permettre, euh, Stenberg, ils l'ont fait avec, le... avec la... La, vraie... la version complète. Et pourtant, je... quand on le voit, je... ben oui, mais ça, au montage, quoi, en vidéo, tu fais pas ce que tu veux, <laughs> ouais, hein Oui, c'est vrai. Bon, nous, on fait pas de montage, on est en direct. Hein oui, oui, non, mais bon, quand, quand, tu montes, quand tu montes un tuto, Rémi, tu fais oui, des oui, montages, oui. Hein Tu peux mettre la version euh, allégée, et en fait, ce que tu entends après, c'est la version euh... peut-être. Ma version complète. Salut Thierry Hello les amis Tous mes voeux pour cette nouvelle année. On te remercie Thierry qui est aussi informateur agréé d'Einberg qui est sur du Bass Pro francophone. Et voilà, qui a d'ailleurs une super école de musique, je crois, du côté de Nantes. Donc, je vous rappelle que pour, si vous voulez chatter avec nous et souhaiter l'aveu ben, aux personnes qui nous écoutent, Google Meet, le lien qui est en dessous, euh, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Voilà, et si vous voulez pas qu'on... On vous voit en vidéo, ben on vous entendra, ça nous suffira. On se sentira peut-être moins seul Ben oui <laughs> Ben oui Ça serait ouais. intéressant quand même. Donc voilà, on a fait un petit peu, donc euh, euh, disons, euh, le, le, une rétrospective de, 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 de l'année euh, 2020 avec euh, Cubas Pro. Euh, alors. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que, enfin, surtout deux personnes dans Cubas Pro francophone, c'est que le K-Editor, où tout ce qui était midi, n'était pas super, euh, super avancé. Ah oui, Thierry nous dit Salut les amis, Music TME Nantes. Voilà, ben, écoute, on te fait de la publicité. Si vous voulez faire de la musique, allez sur. Enfin, si vous êtes aux alentours de Nantes, vous allez voir notre ami Thierry Bédoucha, qui est un super bassiste. En tout cas, voilà. Donc aller dans son école de musique, il faut faire vivre les locaux et puis voilà, la, le monde de la musique en a besoin au niveau des surtout artistes. Surtout en ce moment, oui. Et surtout en ce moment, voilà. Salut Eric, bonne année, boy. bonne année. C'est un, 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 super guitariste qui fait des vidéos avec, avec sa guitare et tout et <laughs> c'est d'enfer. On a des, on a pas mal de de, de personnes qui qui nous suivent et et c'est vraiment sympathique parce que je vois que Cubase pro-francophone, tu vois, on ne l'a pas fait pour rien. Non, non, non. Et, je et on ne le fait pas, évidemment, d'ombre de, de, à tous les autres euh, groupes euh, traitant de Cubase, puisqu'on se connaît, évidemment. Le monde est très oui, petit. On est en, et oui, on est en souffrance. Et oui, ouais. je sais, je sais. Et ouais. Ouais, C'est pour ça qu'il faut, faut que Oui, et surtout les écoles de musique. D'ailleurs, j'ai un copain qui est juste à 500 mètres de chez moi. Et euh, donc, il a une école de musique. Il, euh, il avait euh, environ 120, 120 élèves. Le problème, voilà, il ne peut pas les recevoir. Euh, local trop petit, etc. Euh, donc, euh, il ne les reçoit plus depuis euh, des mois. C'est comme ça. Ouais. Donc, au niveau de Cubase, oui, on, je, on, je parlais au niveau midi, beaucoup regrettent, hein, et donc je fais allusion d'ailleurs à, à mon ami Philippe Dupuis, il se reconnaîtra s'il nous écoute, en tout cas s'il revoit le tuto, euh, toutes mes amitiés à Philippe Dupuis, parce qu'il a des super idées, Philippe, hein, au niveau euh, des améliorations du de point de vue midi. Mais je pense que, je, pense, je, je crois savoir pourquoi Stenberg n'a pas hum, évolué. Euh, peut-être comme d'autres softs euh, pour euh, au niveau MIDI. Il faut savoir que le la version 2 de MIDI bah, est en train de sortir. Et donc euh, je pense que tous les euh, tous les soft, tels que Cubase, vont intégrer la version 2. Alors je ne sais pas exactement au niveau connectique, mais je ne pense pas que ça va être exactement la même chose. Mais au niveau des infos, on va pouvoir faire travailler simultanément plusieurs machines. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous, vous avez... Euh, qui nous écoutent des infos à, à ce sujet. J'ai lu quelque chose sur Musique Radar, d'ailleurs je l'ai mis dans le Cubase Pro Francophone, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, mmh. des infos sur, euh, sur la version 2, mais ils en parlent depuis des, 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 déjà des années. Hein. Et ce qui me fait peur, c'est quand ils vont le sortir. Déjà à l'époque, quand le Midi est sorti à l'époque à Paris, euh, de, le premier Midi... Pour, pour te donner un ordre, la résolution MIDI au niveau du jeu, c'est au 384 e de quadruple croche. Truc de fou. Déjà, ouais. déjà. Là, déjà midi, la précision. Un... Ouais, ouais. ouais. C'était. Alors maintenant, je suppose que. De toute façon, la vitesse ne changera pas, je pense pas. Parce que tu peux pas aller plus vite que la lumière. Non, on est d'accord. Mais je pense ah, que c'est l'échange d'infos entre les appareils. C'est surtout ça qui a été amélioré. Je pense, je pense. Après, bon, je n'ai pas, pas plus d'infos sur, sur ça. Mais donc, je pense que c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, que, que Stenberg n'a pas poussé un petit peu le. le... Parce qu'il y, y a pas mal d'améliorations de, de, à faire sur le, sur le midi euh, par rapport à, à des, des. Il a cité, je crois, Reaper. Alors, je ne connais pas trop Reaper, mais euh, au niveau midi, il y a beaucoup de. de beaucoup plus de facilité à s'en servir, notamment au niveau des contrôleurs. Oui. Voilà. Mais Thierry dit, euh, Steinberg a, a surtout euh, voulu euh, faire évoluer l'audio pour être en tête du, du peloton. Alors, c'est vrai, même moi, je l'avoue, hein, je, je, je me sers exclusivement de, de, de Cubase. Euh, enfin c'est un outil de mixage, de mixage de composition. Voilà. Et il y en a qui le voilà qui oui pousse vraiment parce que quand on fait par exemple de la musique classique, on aime bien avoir ces contrôleurs, on est obligé d'ouvrir plusieurs fenêtres, c'est pas super pratique. Euh, après, voilà, hein, Steinberg a cette politique là, ils peuvent pas de toute façon faire évoluer tout en même temps, mais je pense que faire euh, l'assistant euh, de, de composition pour euh, pas jouer pour jouer juste. Je pense que c'est pas, pas primordial. Après, c'est pas une critique. Peut-être qu'il y a, il y avait de la demande par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que euh, durant nos formations, moi, je rencontre beaucoup de, de, de personnes qui, qui ne sont pas musiciens à fond, quoi. Ils sont, euh, voilà, ils sont un peu. Euh... Tu, tu, tu peux préciser, tu parles du vari audio euh, Non, pas vari audio. Non, non. L'assistant. La, euh, attends, comment ça s'appelle Bouge pas, je vais te le dire. L'assistant de tonalité. L'assistant tonalité que tu as euh, quand, tu, quand tu as un track midi, une, une piste d'instrument. Donc euh, tu peux donner euh, une, une. Par exemple, je, je vais jouer en Do mineur, euh, en Do mineur septième. Voilà, tu, tu joues, si tu, si tu joues du Do majeur ou du Ré mineur, je ne sais pas quoi, de, de la quinte floche diminuée, tu vois eh bien, ça va tout, toujours te ramener donc à, à la au do mineur que tu as que tu as programmé et euh, je trouve que c'est plus pour euh, pour les non musiciens entre guillemets mais, mais ça peut aider alors il faut savoir que toutes les améliorations que, que, que font Steinberg c'est par rapport à la demande donc euh, alors et la demande elle se fait où vous allez me dire parce que je vois beaucoup de mécontentement ou de, beaucoup de mécontent dans beaucoup de, de, de forums donc dédié à Cubase, euh, c'est bien d'être mécontent, mais on n'arrête pas de le dire. Il faut dire à Stenberg, voilà ce qu'on pourrait faire. Voilà, il faut, il faut, C'est facile de dire, ouais, moi, j euh, ça marche pas. Euh, je, mais non, il faut dire, non seulement ça marche pas, mais il faudrait peut-être que ça soit comme ça ou comme ça et proposer des solutions. Et pour en revenir à Monsieur Philippe Dupuis, euh, qui, euh, qui m'a donné euh, peut-être une présentation de 5-6 pages. Et, et là, je trouve ça vachement intéressant, que j'ai envoyé d'ailleurs à Stenberg, c'est pas pour autant qu'ils l'ont fait. Bon, enfin, bon. Mais il faut savoir que c'est par rapport à la demande. Donc tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'on vient d'énumérer depuis le début de, 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 de la vidéo, c'est par rapport à la demande. Donc il faut savoir aussi que les développeurs euh, euh, prennent les idées euh, de, 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 de ces demandes, justement, euh, au niveau des tickets qu'on aimait. Et au niveau de, euh, du forum Stenberg, qui est en anglais. Je, donc je ne connais pas l'adresse. Mais je sais que tous les. Euh, que pas mal de, 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 de développeurs donc, vont piocher certaines idées dans ces forums. Ils vont voir euh, de, quoi, de quoi les gens discutent. Voilà, il faut le savoir. Donc, qu qu'est-ce qu que nous dit M. Thierry Vedoucha L'assistant tonalité s'adresse surtout au public. <laughs> J'adore. <laughs> DJ Ableton. Que le, le midi, là, pour le midi, il parle du, du MPE. C'est quoi ça Alors, c'est quoi Je ne sais pas. Le midi va <laughs> surtout faire évoluer et intégrer le MPE. Euh, là, j'ai un trou. Il peut nous peu. répondre, Thierry. Mais, bien sûr. Donc, euh, tous les éditeurs, nous dit Thierry, aimeraient avoir la, le, la cible Ableton. Il est sûr et certain que Steinberg va s'engouffrer dans cette niche. Alors, parce qu'il connaît peut-être euh, Ableton. Voilà. Mais de toute façon, il y a plein d'idées intéressantes à piocher dans tous les softs. Hein. Je ne dis pas que. On n'a jamais dit d'ailleurs que Cubase est, est parfait. Il est loin d'être parfait. Mais, mais c'est ouais. vrai que, euh, comme disait Thierry, ils ont accès euh, essentiellement sur euh, au niveau audio. Une mais au départ, c'était midi avec le, le Pro 24 à Paris. C'était midi c'était vachement poussé déjà à l'époque. Hein. Dans les années 85, c'était poussé. quoi. Et puis c'est eux qui ont inventé le, le, la norme VST. Ça a été déposé par eux. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Mais, mais si tu vas dans, Cuba, dans le dans le, la partie midi... Avec, il euh, y, y a des trucs, des super trucs, hein, des compressions MIDI, il euh, y a des délais MIDI, des, il oui, des, y, des... y a un arpégiateur MIDI. Oui, je oui, oui c est, c est, Moi, je l'ai utilisé il y a quelques années de, pour, pour une prod un peu spéciale, mais ça peut aider euh, dans la composition. Et c'est vrai que ah, le, le, le MPE, c'est le protocole d'expressivité des nouveaux claviers type. Aken, voilà, c'est bien Aken. ce que je te disais. Donc, euh, la, la, la V2 de midi va être beaucoup plus. Euh, elle va être décuplée au niveau des informations entre les synthés, entre les machines elles-mêmes. Alors, concrètement, ce que ça va faire, euh, on, on s'y intéresse au moment venu. Peut-être la, la vélocité va être, au lieu de 127, elle va être doublée, peut-être il y aura plus de... Peut-être plus précis... Ça va être... Tout va être beaucoup plus précis, je pense. Peut-être les normes Midi, Général Midi, va, va évoluer aussi. On ne va pas rester qu'avec 128 instruments. Euh, bref. Ah, ou Roli, oui, oui, j'en ai entendu parler de ces claviers. Ça, c'est vachement bien. C'est quoi ce clavier les petits claviers, euh... Noir là où tu peux Quand tu, quand tu glisses ton doigt c'est Tu peux jouer sur l'expression, la modulation Ah oui, oui, oui j'ai vu ça voilà. Tu as d'autres claviers, je ne me souviens pas la marque tu C'est jouer euh, C'est jouer c'est ça Tu as une espèce de, 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 de plaque euh, Et tu rajoutes, euh, tu t enlèves le, le, la plaque qui est dessus Tu mets une autre plaque avec des pads euh, ça, ça, C'est des contrôleurs quoi et, euh, et tu peux mettre des claviers aussi qui, enfin, moi, Je veux dire c'est vachement évolutif D'accord D'accord donc peut-être que effectivement que la version 2 de midi va nous apporter beaucoup de choses par rapport à ça euh, parce que je pense qu'on allait au niveau du midi on allait au bout du bout quoi. il faut maintenant évoluer quoi voilà donc euh, on te remercie thierry, tu nous as éclairé euh, notre lanterne mmh. voilà donc ah, euh, que vois. dire euh, en de la version en substance euh, pardon <laughs> Dire en substance En substance <laughs> de, Au niveau look, euh, ben, on n'a pas eu trop de changements. Hein, au niveau du look Non. Il y a encore quelques petits, quelques petits bugs, encore quand même. Hein. Alors, on va, on va, on va peut-être parler des bugs de la version 11. Alors, je dis toujours, il y a beaucoup de bugs que je vois par-ci, par-là. Je ne réponds pas à tout. On ne répond pas à tout au niveau des, 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 des demandes. Merci Mais Thierry. Les les amis. Amis. <laughs> euh, <laughs> c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs que vous avez euh, qui sont liés, toujours pareil, on le répète, par rapport à votre système qui est instable. Donc, euh, ne jetons pas systématiquement la faute sur Stenberg. Et par rapport à ça, c'est euh, avant tout un mauvais euh, paramétrage de Windows. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps. Le temps comme ça. Mais si vous avez un Windows 10, enfin là on parle de Windows en tout cas, le Mac on connaît pas. Euh, mais si vous avez un Windows 10 qui est instable, euh, vous risquez pas d'avoir Cubase et tout, tout votre système audio euh, qui, qui soit instable. Qui soit mmh. Donc euh, on est très euh, vigilant avec Patrice là-dessus. D'ailleurs on devait faire euh, notre direct bien avant et regarde, tu as es essayé encore d'améliorer certaines choses au niveau de ton, euh, de ton ordinateur et ça. Ça, ça a mis un petit euh, peu là. Oui, ouais, ben là, là, je suis rentré dans, de, dans le cœur. C'est-à-dire, tu es allé où il fallait pas, peut-être. <laughs> oui, non, non, j'ai désactivé une fonction et effectivement, le micro ne marchait plus. Tout Donc, est en J'ai ouais. retrouvé le, le, le truc, je l'ai je je réactivé, tu vois, ça marche. Mais c'est vrai que, euh, en fait, nous, il nous faut des ordinateurs de gamers. Tout à fait. Alors, Vraiment, il y en a beaucoup euh, qui me demandent. Quel PC il faut pour tel type de musique, etc. Il faut, comme dit Patrice, un PC de gamer. Voilà, il faut. Euh, il faut euh, une... euh, la mort qui tue, quoi. <laughs> non, mais c'est vrai. Oui, oui. Il faut une carte mère. Une carte mère de gamer. Il faut une vidéo de gamer. Ça, ah c'est oui, très ah important oui. aussi, parce que quand vous faites de la vidéo en plus de l'audio, ça demande beaucoup de ressources. Et au niveau de, du processeur, donc de, de la carte vidéo, donc là, il vous faut, il faut pas mais mal. Mais il faut une de... carte séparée, hein. Ah oui, ça c'est obligatoire. Ah ben oui, obligatoire. Obligé. Et puis euh, de la RAM qui tourne, puis des SSD, et puis voilà, il faut vraiment de la puissance. Mais après, je, je te dis euh, vraiment il y a des choses. Euh, alors il y a deux fonctions. Nous, c'est vrai qu'on se sert d'Internet, mais j'ai un ami, pour le citer, Stéphane Berton, euh, ouais. lui, il n'a il, il a pas d'Internet, donc il a, il a tout viré. Et sa machine, elle tourne du béton. En plus, c'est un musicien et en plus, c'est un, 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 un ingénieur en informatique. Donc, il sait de quoi il parle. Euh, voilà. Et il m'a dit, tant, tant que tu auras Internet et, et, et Facebook et, et compagnie et tout ça, sur, sur m'a dit, moi, mon, mon ordi, c'est pour le travail. Pour la musique, point barre. Donc il, se, il peut se permettre de virer plein de trucs il, parce qu'il faut savoir que Windows 10, ils nous mettent des trucs des machins qui tournent en arrière en arrière-plan tu vois oui et en et plus qui te... servent à rien ah ben non et en plus qui servent absolument à rien toi les cartes puces, là j'étais dans le, le SMS config là j'ai viré plein de trucs hein. Cortana, les cartes Cortana. Cortana, les puces, les puce, le truc en plus il faut virer des choses parce que en fait on est espionné ouais, parce ça... que oui oui. Problème. Oui, ah, oui, oui, mais euh, bien sûr. Oui, oui. Il y a des, des petits, ils mettent des petits logiciels. Ils savent, tu sais, oui, euh, Microsoft, ils, ils, ils savent exactement ce que tu fais. Quoi. Donc, tu peux Il y a plein de de programmes qui, sont en, qui tournent en, en arrière-plan, qui te bouffent de la ressource. Hein ouais. Alors, moi, je donnerais un conseil pour ceux qui veulent améliorer. Euh système Windows 10 c'est d'aller plutôt sur pas sur des n'importe quel forum mais ceux de par exemple de console par exemple moi je suis sur les, je, je suis allé sur Presonus et là eux m'ont conseillé donc avec euh, une, un listage assez important de, de modifications à faire au niveau de Windows 10 de virer certaines choses de changer le paramétrage etc euh, j'ai fait aussi un court tuto aussi pour améliorer les performances alors là c'est euh, on remercie Bébert pantin alors là, oui, Bébert, franchement, chapeau, parce que là, tu nous as mis. Euh, C'est un truc très simple, très simple, hein, très simple hein, on, on va vite en parler. Il suffit d'aller dans la sécurité de Windows et, euh, et, dans le, et, et, de, et de lui dire de, à Windows Defender de ne pas analyser, par exemple, le dossier de Cubase quand vous ouvrez Cubase, de ne pas analyser euh, tous vos disques euh, ayant sauf des banques de le, Sauf le C, quoi. Voilà, sauf le C. Tout sauf le C, exact, exactement. Donc rien que de faire ça, euh, moi des fois j'avais des, euh, des gros templates d'instruments de, 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 classiques, de, de musique classique. Euh, j'avais le temps de boire deux ou trois cafés, c'était 10 minutes, 8-10 minutes, et je suis passé à 45 secondes. C'est un truc de fou. Et tout, et tout est sur des M2. Alors M2, il n'y a pas plus rapide, euh, 10 minutes. Voilà, donc c'est entre 120 et 150 pistes, des plugs, des machins, des trucs. Et là, on est passé à 45 secondes. Donc, regardez mon tuto, c'est pas mal. Ça, ça, ça va vous alléger là, là, votre système. Et n'oubliez pas que votre PC, il est fait pour faire de la musique et pas fait pour faire autre chose. Après, bon, si vous avez un PC pour hum. tout faire, ça dépend des moyens. Mais je, on vous conseille toujours d'avoir un PC dédié à la musique. Donc, ah oui, euh... alors, AMD ou Intel Nous, on est Intel. Hein alors, de nous, façon, on est à fond. Le... Ah, par contre, oui... Euh... Les, les, euh, les Ryzen, Ryzen euh, les nouveaux processeurs, j'en ai entendu du bien. Hein. Et je ne sais pas si c'est pas MD. D'ailleurs, Thierry, viens avec nous en ouais, parler. Regarde, euh, tu es, euh, sur Google Meet, tu es invité. C'est gratuit. Hein. <laughs> tu, peux, tu peux nous faire part de ton expérience, justement, euh, en matière de... Il faut de... virer tout ce qu'il fait, des punchs et des notifs, en arrière-plan. Oui, c'est ça. Oui, ouais. C'est ce que j'ai fait, moi, d'ailleurs. Tout à vrai fait. Que... Il faut optimiser le système pour que ben pour, qu voilà, pour vous servir. Une telle chose. Sans hésitation, ben oui, ben oui, Voilà, ben oui. bon après, euh, je dis pas que, les, que les, les processeurs Ryzen sont pas mal aussi, tout le monde en dit du bien. Mais on va rester Intel. D'ailleurs, on doit refaire une bécane avec Patrice d'ici quelques mois. On est en train de ouais. discuter de ça. <laughs> Donc, euh, et je pense qu'on va faire certainement un direct, un tuto, un machin, je ne sais pas, sur, euh, ben sur les nouveaux processeurs, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur tout, quoi, sur le matériel. Il faut savoir que tout évolue, la RAM, le, le, les SSD, les M2. Euh, moi, je cherchais une... Euh, et je pense que ça va évoluer aussi. Euh, évidemment, tous les disques durs euh, physiques à euh, aiguille vont euh, disparaître un jour. Euh, je pense que le prochain PC va être exclusivement rien qu'en SSD. Je pense. Alors, alors oui, oui. Sauf que le, quand le SSD il fume, il fume. Hein. As on, tout est perdu, hein. on est d'accord. On est d'accord. Mais les premières versions de SSD euh, étaient, euh, disons, avaient été fragiles. Même les Samsung. Et nous, on n'utilise que du Evo. Et alors, utilisez que du Evo. N'utilisez pas autre chose. Euh, pas eQ. Je ne sais pas quoi là. Il ne faut pas utiliser ça il faut utiliser, même du Evo plus je crois que c'est ça, ça encore euh, évolué et euh, mm. moi ce que, je, ce que je recherche toujours c'est une carte mère où il y a au moins 4 ou 5 euh, euh, M2 et ça n'existe pas non ça n'existe ben pas non mais tu t'imagines la carte mère il faut euh, fait... c'est ça le problème c'est hein. ça le problème donc il existe des des, des PCI Express qu'on met donc euh, et on bouffe un petit peu, on perd environ 10-15%, comme disait le monteur de PC. On, on mange entre 10 et 15% de, de, de puissance. En faisant quoi ben, En mettant des cartes PC Express pour avec deux M2 accrochés. Euh, les M2, il faut savoir que c'est entre 10 et 15 fois plus rapide qu'un qu SSD normal. Déjà que le SSD, c'est quand même assez rapide par rapport à un disque dur normal. Euh, mais les M2, c'est waouh Voilà. Donc, il n'existe pas de carte mère où il y ait plus de 3. Euh, il faut compter environ entre 450 500 euros la carte mère pour avoir 3 M2 disponibles. Donc, ouais. Donc, euh, sûrement, on fera un tuto parce qu'on s'intéresse à ça avec Patrice euh, pour notre prochaine vidéo. Sauf, sauf, que, sauf que moi, je me le monte, mon PC. Ah. <rire> <rire> <C 'est malin. rire> <laughs> Donc, on vous, do on vous donnera peut-être des astuces, des conseils sur ce qu'on utilise et pas. <laughs> voilà, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Euh, et, puis, euh, et puis, on verra bien. Hein. De toute façon, tout évolue. On vous donnera peut-être des conseils. J'espère que. Voilà. Donc, euh, Thierry, tu veux toujours pas venir nous voir un petit peu pour euh, discuter avec nous Non, mais ils sont, ils sont timides. J'ai Google Meet qui est branché. Il n'y a personne là. Par contre, vous êtes nombreux à écouter. Vous avez raison. Donc voilà, on a fait un petit peu le point sur, euh, sur notre Cubase Pro 11. On va attendre la 11,5 l'année prochaine. D'ici là, ben... Non, mais quoi l'année prochaine C'est cette année. Ils ah vont, oui, Il y, y, ben, y, y a des bugs ils vont... Rappelle ah non, toi, non, mais attends, je te parle de la 11,5 11 par point, exemple. 11.10, 11.20, 11.30, voilà. Hum. Ils vont améliorer, ils vont, ils vont rectifier les bugs quand même. Quelques, quelques... Tu sais que moi j'ai envoyé le ticket, ils ne m'ont jamais répondu. Hein. Non, et moi j'ai envoyé le ticket, ils m'ont marqué résolu, alors qu'il n'y avait rien résolu du tout. Et, et d'ailleurs, c'est arrivé à bon nombre d'entre vous. Euh, alors, dans ces cas-là, vous pouvez revenir sur, le, sur votre ticket, le réouvrir, vous faites un commentaire, le, le, il, se, il se réouvre. Et ça, je vous conseille de le faire parce que je trouve qu'ils ne euh, sont il pas du tout résolus, nos problèmes. Donc. Euh, ou alors, peut-être, ils marquent résolu parce qu'ils l'ont transmis aux développeurs. Alors, à ce moment-là, ouais. qu'ils ne mettent pas résolu. Voilà. Donc, euh... Ah non, alors Thierry, non, on fera un chat ensemble. D'accord, il, il, il est timide. Express il, Cubase. Il est timide, Thierry. Un chat expert Cubase. Alors, je vous dis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on a fait un Discord. On a fait un Discord pour Cubase Pro francophone. Alors, j'ai fait un direct il n'y a pas longtemps pour expliquer un petit peu, pour réexpliquer. Pourquoi on a fait un Discord euh, Cubas Pro Francophone, on va le, on va le, le, le laisser exclusivement pour euh, tout ce qui est bugs, etc. Euh, euh, une petite astuce, on va dire. Après, si vous avez besoin, par exemple, d'avoir de, de, un avis sur, sur un mix ou euh, sur un, du matériel, discuter d'un de, de matériel ou d'un autre, bref, là, à ce moment-là, on a créé des salons. Vocaux et les salons textuels sur Discord, et ça, je pense que c'est vachement utile pour vous, parce que à ce moment-là, on n'a pas besoin de, de nous administrateurs d'être là pour euh, pour approuver quoi que ce soit. Euh, vous êtes là entre vous, vous allez par exemple dans le salon euh, textuel pour discuter rien que voilà textuel, ou des salons vocaux pour discuter de Cubase, de mixage ou des bugs, et donc vous êtes Ensemble, et voilà, vous pouvez faire ça comme des grands. Moi, je trouve que Discord, c'est vraiment bien pour un complément. Alors, ça paraît un petit peu touffu, <coughs> <peu fou, coughs> confus, mais je vous conseille d'y aller de vous y inscrire. Voilà, si vous avez des, des, des soucis, d'ailleurs, comme une personne que j'ai vue là tout à l'heure, en début d'après-midi, euh, demandez Jonathan Bonnet, voilà, qui est donc le modérateur de Discord au niveau de Cubas Pro francophone. Voilà, vous savez tout. Tu je, voilà. je, je bavardes Voilà, oui. <laughs> Mais je te laisse par parler de ça. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> bon. Alors. Quelles sont vos questions Amis du soir, bonsoir. On fera un chat, non Un chat, je pense qu'entre prend francophone, Discord, YouTube, je pense qu'il y a pas mal de choses qui existent pour, pour les utilisateurs de CubaS que nous sommes. S'entraider euh, et on fait du mieux qu'on peut évidemment parce qu'il y a beaucoup de postes euh, donc avec beaucoup de bugs. Alors, au niveau du, des, des bugs, oui, on parlait de, des bugs de Cubase Pro 11. Toi, tu as rencontré qu'est-ce que tu as rencontré comme bug? Euh, un, un dernier, là, je, je me rappelle plus, c'est il me mettait un message d'erreur, je comprenais pas. l'avais montré, de rappelle toi je vais, je vais partager l'écran. Euh, oui, je je me rappelle, me rappelle plus. C'était un truc bizarre, oui. Alors moi, le seul. Oui, parce que rappelle-toi, oui, c'était parce que, que j'avais. J'étais revenu en arrière de la version 10. La version. Voilà. De, là aussi, on, de, on de, va de, vous donner de, un de, conseil. Surtout quand ah, euh, vous oui. avez des, euh, des versions de des, des mises à jour de Windows 10 euh, majeures, style euh, passé de 2004 à euh, ou euh, de c'est quoi HD1. Euh, je me souviens hum. plus la, la version. HD1, oui. HD2, HD2. Oui, enfin bon, bref, euh, les mises à jour euh, majeures. Ne revenez pas, surtout sur une mise à jour inférieure. Euh, Patrice a fait euh, l'expérience. Il croyait que les bugs ouais. de Cubase Pro 11 étaient dus à ça. Il est revenu sur une version antérieure de Windows 10. Et là, c'était la mort. Ouais. Et, et là, tu as eu beaucoup, beaucoup de problèmes, des crashs de partout, intempestifs. Ah, c'est -ce un fait, enfer. Qu'est-ce que tu as fait pour tu... solutionner ben, j'ai fait j'ai fait l'update, je suis revenu ah, à la h 2 C'est-à-dire que je suis passé à la, à la H2 et, et on m'a dit ouais, il faut pas le faire machin. Donc j'ai fait une, une un rétroactif et je suis revenu donc à la, à la 2004, 19, est... 19, 19, 19. je sais plus quoi là, à la 1909. Toi tu as, as fait un saut euh, parce qu'elle avait sauf 20 que, 1 voilà. avant. Sauf sauf qu'il faut savoir que quand on installe une, une dernière version euh, Windows, Windows, lui, il va, il va tout paramétrer, les, les VST, entre autres. Il va, il va, dans la base de registre, il, va, il, va tout, ben, il voit tout ce qu'il y a sur l'ordi, en fait. Donc, il, il fait un certain paramétrage dans la base de registre, mais quand tu reviens à la version précédente, la base de registre, il reste la, les modifs qu'il a faits. D'accord il garde encore donc, en mémoire certaines voilà et ouais. et en fait ça de... ça devient carrément plus stable du tout quoi parce que il y, y a plus compatibilité Ou il y a mais compatibilité mais ça marche, ouais, très, ouais, mal, ouais, ça ça marche ça, très mal quoi ça ça bug quoi de toute façon ça il y... comprend pas le truc quoi tu vois donc euh, la j'ai fait le H2. Là. La VH2, oui. La VH2 marre, marche très bien. Alors, moi, le, le seul bug que j'ai rencontré, euh, qui est récurrent, je vais dire, sur, euh, sur la Pro 11, c'est euh, l'utilisation, pareil, du VST Connect. Donc, je crée un VST Connect. Alors, déjà, j'ai une fenêtre noire une fois sur deux. Alors, si vous avez encore cette euh, anomalie. Euh, vous utilisez l'éditeur générique et vous, et vous remettez l'éditeur de VST Connect, le normal, et vous aurez plus ce problème, c'est surtout quand vous avez plusieurs écrans. Enfin bref, ça encore, ça s'est pas amélioré depuis la version 10, j'avais toujours cette, ce, ce, ce problème, euh, ce qui peut être contourné, et euh, il m'arrive d'avoir des, 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 des arrêts intempestifs de Cubase dû à VST Connect, ou alors il se ferme, mais mal, donc euh, voilà, CTRL-ALT-SUP, et vous connaissez la suite. Donc ouais. euh, moi, c'est vraiment le seul bug euh, majeur que j'ai avec, euh, avec le Pro 11. Euh, il, euh, je trouve qu'il est plus rapide. Il est plus rapide peut-être un tout petit peu plus rapide à l'ouverture. Par contre, au niveau des performances, il s'est fortement, euh, fortement amélioré. Oui, il s'est allégé. Tu allé, oui. vois, ouais, Thierry, il nous, il nous dit qu'il ne faut pas, faut pas revenir en arrière. Quoi. Tu vois Oui. Il ouais, ne faut pas faire des régressions de version, euh, la, euh, surtout avec le BIOS, encore pire. Et les mises à jour de, oui, disait, à jour de Windows. Ça, il faut vraiment, vraiment éviter. C'est vraiment un conseil qu'on donne souvent dans nos formations aussi. Euh, finalement, on s'aperçoit qu'on donne beaucoup de, de conseils en informatique. Ça en fait partie. Bah, la, la MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Hein. Donc, il faut. Voilà, bravo. bravo, il a oui, trouvé. Ouais. <laughs> non, non, oui. Non, je veux dire, c'est... Il faut, il faut connaître sa bécane, quoi, un minimum. C'est ça, vois. ça. Il ne faut pas être informaticien, mais euh, bien configurer son PC pour, euh, pour l'utiliser pour la MAO. Voilà, tout à fait. Bon. À ouais, part bien. ça, Rémi. Ben, à part ça, euh, moi je suis content de, de, de Pro11, hein, contrairement à tout ce que euh, fait, certaines personnes disent. Après, j'aurais voulu plus, on veut toujours plus. Il y a déjà pas mal à faire. Hein. Il y a déjà pas mal à faire. Je ne sais même pas si on a fait déjà le tour du, du 10 et du 10 et de Non, bien voilà. sûr que non. Euh... Mais tu peux fabriquer, tu peux créer des synthé, tu peux tu créer des enveloppes, c'est un truc de ouf là. Le, la, 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 le cubase, c'est un truc de ouf. Tu, tu, tu crées tes propres synthé. Déjà, avec le, je crois que c'était le, le 5, Cubase 5, tu pouvais le faire. Même je crois que le 3, le SX3, le je six crois. Trois. On pouvait, on pouvait créer, créer des ondes de, 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 de oui des zones de forme, ouais, des, des cut-offs, des releases, des, des decays des, des sustain, tu vois Tu te, te crées une santé. quoi. Donc voilà, donc la Pro -11, moi, je trouve qu'elle n'est pas si mal que ça. Il y a son, son lot de nouveautés. On n'a pas parlé d'ailleurs du, euh, euh, du Squatcher, qui est quand même un effet qui est destiné à la musique EDM, à hein, des sons, les sons assez électroniques pour corser les basses. C'est vachement bien ouais. aussi. Toi, tu l'as même bien. utilisé en sortie. J'ai vu ça. J'ai dit, ah, mais c'est pas, pas si mal que ça. En sortie, ben oui. en sortie ben de oui. Cubase. Ouais. Il y a Thierry qui, nous, qui va se coucher dans sa grotte. Ouais, je pense, je pense que je, je crois deviner où est la grotte et ce, ce qu'est la grotte. <laughs> tu as raison. J'ai raison. En tout cas, on a été très content de vous souhaiter la bonne année. Et puis oui. euh, j'espère qu'on fera ben, une autre, euh, un autre direct. Et on vous parlera soit d'ordinateur. Moi j'aimerais bien faire aussi un direct et vous parler euh, pourquoi faire des templates, à quoi servent-ils, qu'est-ce qu'on fait. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est euh, c'est utile parce que alors moi j'en fais et j'en vends. Euh, donc euh, je suis d'ailleurs sur, une, sur un, un template métal. Musique métal. En, en, D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est exclusivement avec, euh, en utilisant euh, donc Cubase Pro tous les éléments. Euh, J'ai même fait un template sur la musique classique avec euh, une centaine d'instruments. Évidemment, ça a ses limites. Hein, vous en doutez. Cubase Pro ne fait pas tout, euh, pas dans tous les styles de musique, mais je trouve quand même euh, qu'il y a déjà des banques de sons énormes. Et dans la version 11 vous avez trois. Euh, banques de sons qui sont pas mal. Une dédiée à la cinématique, une euh, plutôt axée voix pop. La troisième, je m'en rappelle pas. Je crois que c'est plus plus typé EDM. Euh, D'ailleurs, c'est c'est il y a beaucoup beaucoup de, de, de samples et de sons dédiés à l'EDM. Toi, oh, tu vas faire un template métal. Je suis en train de faire un template métal. Avec des. Je vais en faire en bois moi. <laughs> Il est fatigué, notre Patrice. Il est fatigué. Ah oui. Non, en tout cas, on se pose la question de faire des templates dans pas mal de styles musicaux. Patrice va en faire sûrement dans des styles un peu plus électro, dance. Ouais, funk, funk aussi. Funk. Ouais, ouais, Soul, funk, reggae aussi. Je vais voir parce que j'aime bien le reggae moi. Je trouve que ça ça balance bien le reggae. Chakat, chak chak, non, non, j'aime ça, j'aime ça. <laughs> Donc voilà, on va faire sûrement un, un direct. Ça, j'ai l'idée de, de, de discuter de ça avec vous. Pourquoi faire des templates Parce que euh, on ne va pas parler de ça maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas ou alors qui partent souvent de zéro et qui cumulent les, les tracks au fur et à mesure qu'ils composent. Ça peut être bien aussi de partir de zéro, mais je pense que de partir d'un de, de, template qui a déjà. Qui, qui existe déjà. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre tuto aussi sur ça, pour euh, copier des CPR existants. Regardez-le, c'est vachement intéressant. Ça vous ben, ça, ça évite de perdre du temps. Vous en gagnez au contraire. Mais il y a quelques petites manipulations à faire quand euh, vous copiez donc ces CPR. Attention, parce que j'ai souvent dans les formations le même problème c'est-à-dire, euh, je, euh, euh, je retrouve tous les, euh, tous les fichiers audio n'importe où sur le disque dur. Donc, euh, c'est souvent le problème que je rencontre. Donc, il faut être vachement organisé. Donc, j'ai fait un tuto là-dessus, comment organiser euh, avec UBASE ces projets. Euh, il faut vraiment que ça soit bien rangé, ouais. comme dans une bibliothèque. Voilà, c'est très, très, très important. important. Voilà. Très important. Si, euh, si vous êtes ordonné à, à, si êtes ordonné à, à ce niveau-là, vous n'aurez pas de soucis pour... Euh, voilà, mais vérifiez dans votre bibliothèque déjà l'accès à vos... Comment wave. dire Vos fichiers wave dans la bibliothèque. Mais surtout les nommer avant d'enregistrer. Oui, on peut les renommer, mais alors c'est galère après. On peut les renommer. Non, non. Oui guitare 1 guitare 2 guitare voilà, ouais. left guitare right euh, ça il faut le guitare acoustique guitare euh, refrain guitare machin guitare intro euh, je parle guitare ou piano clavier en fait tu vois violon il faut dans 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 l'inspecteur il faut il faut les renommer vraiment d'ailleurs tu me donnes l'idée de de, de de leur donner un conseil euh, de renommer d'une certaine façon c'est-à-dire guitare 1 2 et après vous citez le, le morceau. Pourquoi vous faites ça Tout simplement pour vérifier où, euh, où vont vos fichiers. Parce qu'après, si vous ouvrez euh, et que si vous rouvrez le lendemain votre, euh, votre projet, que projet. pour X raisons vous avez ça dans n'importe quel sens, Eh bien peut-être que audio 1, audio 2, audio 3... Vous avez, il, va, il va piocher, et ça, ça je me suis fait piéger, il va piocher des, 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 des waves qui n'ont rien à voir avec votre projet. Donc un conseil, faites ça. Et <coughs> l'autre conseil que je vous donne aussi, c'est de faire une copie de sauvegarde du projet. Ça on le fait avec Patrice. C'est ouais. très utile d'ailleurs quand on se file, quand on se donne les projets, on, on fait souvent ça, une copie de sauvegarde. Ça permet de refaire un dossier, un nouveau CPR. Euh, en parlant de, vi de, CPR. De, de virer tous les... Tout ce que tu as enregistré que tu n'as pas ouais. gardé. Et à propos de CPR, n'oubliez pas aussi qu'un CPR peut être, peut être flingué pour X raison que ce soit. On est tombé Merci. sur. Euh... <laughs> ouais, voilà, tu es tombé sur ce problème il y a pas longtemps. Oh, euh... La galère. Une galère sans nom, quoi. Voilà, alors pourquoi un CPR est flingué On ne sait pas. On sait. On Mauvaise sait pas. fermeture de, de, de Cubase, etc. Ou un plug qui ne euh, qui, qui fait pas son boulot. Mais. Euh... Euh, J'ai vu ça sur euh, Cubas Pro francophone, quelqu'un qui, alors, qui avait une galère, qui devait revenir sur un CPR. Il mmh. est, tous les bacs qui ont été faits par la suite par rapport à ce CPR ont été flingués, évidemment, puisqu'ils contenaient exactement les mêmes informations. Donc, Même euh, euh, donc euh, faites souvent des sauvegardes, peut-être différentes, avec des noms différents, ça vous permet peut-être de. Voilà. Et donc, de faire une sauvegarde automatique. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà Une une sauvegarde, sauvegarde de, oui, de, de du projet. copie de projet. Oui. Voilà, copie de projet. Ça vous permet de créer quand votre projet va bien, quand vous avez terminé la compo, à la limite, vous faites une copie de sauvegarde. Et là, vous avez tous les éléments concernant tout ce qui est utilisé. Mais dans, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire quand, quand on voit que le, le quand on est toujours en midi, si tu veux, sans les waves, c'est déjà quand on voit que le cubase, il se barre sans rien faire, et, ou qu'il se plante, qui reste figé, il faut l'ouvrir et il faut, il faut faire un, un MIDI file. Il faut, il faut sauvegarder tout le boulot qu'on a fait en MIDI. Déjà, ça, c'est une première sécurité. Et, et, et si on a fait des waves, c'est le MIDI plus sauvegarder les waves et ouvrir notre projet. Et le CPR qui est planté, il faut le virer, quoi. Ouais. Il faut surtout pas rester dessus parce que moi j'ai insisté, insisté et plus ça, et plus j'allais, plus ça s'aggravait. Donc heureusement que j'ai pu m'en sortir, quoi, tu vois. Ouais. Euh, oui, parce que tu croyais les... que ta tu croyais que ta version Windows 10 était, euh, était flinguée. Hein C'est ça. C'était le fait, CPR qui était euh, qui était planté. Ouais. Qui était planté, mais grave. Hein. Ah oui, là c'était. Tu l'as envoyé J'avais réussi à, à l'ouvrir mais j'ai eu quand oui. même des problèmes quand même. Ah oui, t'as planté, ouais. As ah planté, oui, il ouais. m'a planté. Donc, euh, alors, il faut savoir aussi que quand on envoie des, des, des fichiers complets de, de, de projets, comme on fait avec Patrice, il m'envoie ça pour que je fasse une guitare, par exemple, euh, et quand on utilise, même si c'est les mêmes softs, même si, euh, si on a exactement la même configuration, il y a des choses bizarres qui se passent quand on, ouais. on j'ouvre ton projet, par exemple. Il y a des décalages au niveau de, de, de certains samples. Il y a, dans un instrument, il n'y a, de, 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 a, a pas de son. Euh, des trucs un peu bizarres. Donc, euh, même si on. Ça, ça, ça fait partie des bugs, ça, je pense. Je pense que ça fait partie des bugs. Ouais. Ouais. Bon, après, euh, on n'a pas le même euh, ordinateur. Peut-être que c'est dû à non. ça, je sais pas. Mais enfin, bon. Euh, après, alors par contre, évidemment, quand on fait que des waves, on n'a pas ce problème. Mais quand on est en phase de composition, c'est un peu embêtant, on va dire. Euh, donc quand vous avez que des fichiers MIDI, ça serait bien de les transformer en wave. Euh, et puis comme ça, vous mettez, vous faites un autre projet qu'avec de l'audio. Comme ça, si, et si vous devez revenir sur votre projet où il y a du MIDI, revenez sur, sur le MIDI. Vous refaites un export audio, vous l'intégrez au nouveau... Euh, un nouveau projet où il n'y a que de l'audio. Voilà, on vous donne un tas de petits conseils qui sont vachement utiles parce que, à force d'utiliser utiliser, euh, je, les méthodes... je me posais la question, Rémi. Oui. Quand, quand tu as un projet qui plante comme, comme il m'est arrivé là, il y a quelques temps, est-ce que le, le fait de faire une sauvegarde du projet, ça te recrée un CPR tout neuf On est d'accord. On est, on est bien d'accord. Ah, oui, 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 tout à fait. Mais tu l'avais essayé. Et ça marchait pas. Non. Mais là, je pense que c'est dû à cause du, du Windows 10 euh, rétroactif. Aussi, oui. Voilà. Effectivement, oui. Donc, il y a quand même une certaine rigueur à avoir pour euh, éviter de perdre du temps oui. sur euh, bah, tout ce qui est euh, configuration, informatique, etc. Voilà. Et ça bride la compo. Hein. Moi, quand j'ai des problèmes, ça me bride. Hein. <laughs> il n'y a plus rien qui sort. Hein. Par contre, euh, l'expérience que j'ai vécue avec ce, ce CPR euh, foireux, donc j'ai fait quand même un export de, des waves, de tous les waves, hein, grosse caisse, caisse claire, tout, tout en séparé. J'ai ouvert un nouveau projet. Par contre, là, c'est du bonheur. Hein. Eh oui. euh, Mixer tout en wave, quand, quand on est sûr de sa compo, de l'arrangement, des sons, mais c'est par contre qu'il faut faire les deux. Il faut, faire, il faut faire, exporter les waves et exporter le, le MIDI file, tout, tout ton, ton travail MIDI. Pourquoi Parce que si tu te rends compte que finalement le son de piano que tu as tu as fait, nous, finalement dans l'arrangement, dans, dans le mix que, que tu es en train de faire, eh ce n'est c'est pas ça. Eh bien, tu peux réintégrer, ré, réimporter, si tu veux, la piste MIDI du piano tout pour aller chercher un autre son. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut faire les deux, mais c'est vrai que les waves en mix c'est quand même super. Et c'est, je vais refaire, je vais refaire cette façon de travailler. Et puis parce ça que... allège vos projets, hein, automatiquement, parce que vous disais beaucoup de VSTI, c'est waouh, parce qu'il faut savoir que c'est le, c'est le midi, hein, c'est tout ce qui est euh, à base de midi qui plombe, hein, mm -hmm. euh, tous ces VST, VSTI, c'est ça qui, voilà, quand vous mettez que des fichiers audio, c'est du bonheur. Hein. Oui, oui, parce que c'est les VSTI qui prennent la ressource. Hein. Exactement. Euh, l'audio, c'est de l'audio. Ouais. Moi, si je change de bécane, c'est à cause du MIDI. <laughs> enfin, pas à cause. Ah ouais. C'est parce que ah le, ouais. le, les banques sont plus importantes, les players sont de plus en plus lourds. Euh, voilà. Donc, euh, si, on, si on avait que de l'audio, euh, on aurait moins de problèmes. Euh, euh, oui, mais. Euh... Euh, mais quand tu fais de l'audio, il faut, il faut avoir le son, il faut être en place. Enfin, tu connais. Euh, mais oui. Voilà. Bon. On s'amuse pas. Hein on plaisante pas. Hein <rire> ouais. <rire> bon, mon poulet. Voilà. Bon, allez. Euh, on va peut-être vous laisser hein, parce que voilà, le premier de l'an, euh, hein, c'est bien. Mais bon, euh, on a une autre vie à part euh, la musique. Hein. Bien, heureusement. Donc on vous réitère donc tous nos voeux pour 2021 et que eh bien à vous et à, à vos familles, à vos amis musiciens et musiciennes. En tout cas, merci pour ceux qui étaient avec nous d'être restés aussi longtemps. Merci à tous ceux qui ont participé au chat. Ça nous fait vraiment plaisir. Et euh, ouais. surtout, occupez-vous de vous. Restez le plus souvent à la maison. 2021 commence, mais on n'est pas sûr de la suite. Ça, c'est sûr. Patrice, merci oui. beaucoup. Ben avec plaisir, mon ami. Et puis, euh, on se fera un autre direct pour euh, parler ben, peut-être matériel, cette fois-ci, ou template. Ouais. Voilà, vous ouais. donner des conseils, c'est toujours utile. Voilà. Exactement. Et n'oubliez pas, euh, vous pouvez nous, vous abonner donc à la chaîne de Patrice Locchi la chaîne YouTube euh, sur euh, un petit clic euh, sous, la, sous la vidéo. Voilà, donc je vais la laisser d'ailleurs. Comme ça, tous les conseils qu'on a donnés vont profiter à d'autres personnes. C'est avec plaisir que nous partageons et ça, c'est notre but. C'est de partager le plus de choses avec vous de manière à ce que vous vous faites de superbes compositions, n'est ce pas Patrice voilà. Exactement. Voilà, nous sommes dans le partage. Voilà. On ouais. vous remercie, on vous fait des bises. Salut, c'était Rémi Hortz du Nevada Studio et Patrice Locchi de AJL Recording Studio. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. Salut. Et bonne année. Bye bye.